De hautes murailles s'élèvent depuis 110 ans dans un endroit pittoresque sur la corniche du Nil pour constituer l'un des célèbres endroits du quartier aristocratique de Zamalek. Le palais d'Aïcha Fahmi est l'un des bâtiments architecturaux les plus remarquables d'Égypte, situé sur l'île de Zamalek, au Caire. Et récemment, il a été transformé en un complexe d'art plastique. Le palais, en tant que complexe artistique, a joué un grand rôle en révélant les stars de l'art plastique de la génération des années 80 et 90 du siècle dernier. Ce palais a été conçu en tant que bâtiment archéologique en 2010. Aïcha est la fille d'Ali Pacha Fahmi, chef du cabinet du roi Fouad Ier. Le palais appartenait à Ali Pacha jusqu'à sa mort. Puis il est revenu à sa fille, Aïcha, qui a acheté le par de ses frères, afin que le palais devienne tout entier à elle.
Le palais a été conçu en 1907 sur le Nil, sur l'île de Zamalek, conçu par l'architecte italien Antonio Lacek, selon un style classique. C'est un palais éternel. Il témoigne des événements historiques qui ont eu lieu à l'époque de la princesse ou après sa mort, lorsque le palais est revenu à l'État. Les fenêtres colorées du palais comptent parmi les chefs-d'œuvre les plus remarquables. Elles donnent au palais une grande beauté et une élégance. Lorsqu'on monte les escaliers qui mènent à l'étage supérieur, la première chose qu'on voit est les fenêtres ou de magnifiques chefs-d'œuvre sur verre coloré. C'est une peinture qui montre quatre femmes avec une belle couche esthétique, car les rayons du soleil sont sur elles, ce qui rend les couleurs brillantes et attrayantes pour l'œil. Dans les différents couloirs, on trouve des peintures à l'huile de personnalités de la famille de Mohammed Ali le Grand. Il y a aussi un tableau montrant le roi Farouk en train de chasser.
Le premier étage comprend 4 pièces, un grand hall au milieu duquel se trouve une statue appelée le penseur, ainsi que plusieurs tableaux, dont la jeunesse de l'harpe et un tableau montrant des enfants terrifiés par un chien. Les trois chambres de droite sont conçues pour l'été. Elles offrent une vue magnifique sur le Nil. Elles présentent un certain nombre de peintures d'artistes étrangers, notamment un tableau représentant une bataille. Les trois salles qui sont à gauche sont les chambres d'hiver. La première est la salle de billard. Elle a un caractère historique. Elle se caractérise par ses cheminées et les inscriptions au plafond et sur le parquet. L'architecte Antonio Lasciac a conçu ce chef-d'œuvre d'architecture, conçu en 1907 pour devenir la résidence d'Ali Fahmi Pacha. Ali Fahmi Pacha était le chef de l'armée pendant le règne du roi Farouk Ier entre 1922 à 1936. Et il décida de nommer le palais du nom de sa fille, la princesse Aïcha Fahmi. Le palais couvre une superficie de 2700 m² et contient 30 pièces de grandes salles, ainsi qu'une voûte de 1000 m² et un toit décoré. Thank you.
Les murs de ce palais sont également décorés de fresques et de lettres d'or japonaise, ainsi que de soie rouge, qui le rend le lieu vraiment unique. Il y a un buste du roi Fouad Ier. Il y a aussi un buste en marbre d'Ibrahim Pacha. Et une peinture à l'huile, ainsi que de statues de couleur dorée. Le deuxième étage comprend une garde-robe. Les pièces du palais se caractérisent par la présence de tableaux en soie et en lin, ainsi que des décorations européennes sur les côtés des murs, ce qui leur donne une forme esthétique remarquable. Le palais est composé de deux étages. Le premier étage compte de nombreuses salles contenant des chefs-d'œuvre d'art plastique. Le deuxième étage compte de nombreuses salles antiques, y compris la salle japonaise que l'ambassadeur du Japon a offerte à Aïcha Fahmi lors de sa visite au palais. Thank you.
a aussi des gravures sur les murs de la salle et des images japonaises. La salle est impressionnante avec des inscriptions japonaises et des lampes japonaises traditionnelles. Elle contient deux statues dorées. A aussi sa propre chambre d'habillage. Cette chambre est réservée à la famille de Mohammed Ali. Récemment imprimé de certaines princesses de la famille de Mohammed Ali. Et certains de leurs objets personnels pour ces tables en bois indiennes du 9e siècle, dont les décorations sont faites selon le style syrien.